Je me dis, mais dis donc, je la connais, celle-là. Celle-là, 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 celle-là. Il s'agit de ma cousine, elle s'appelle Falbala. Falbala, 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 Falbala. Falbala avait un ballon et la voilà. C'est Nagui, c'est Nagui, c'est Nagui, c'est Nagui, c'est Nagui. Regarde, c'est Whiplash. T'es l'élève de Whiplash? Ouais. T'es le prof de Whiplash? Ouais. Fais-moi Whiplash. Est-ce que tu peux être plus près? C'est vraiment... J'ai jamais été aussi angoissé qu'après l'accouchement de ma petite sœur à 7 ans. T'as accouché de ta sœur à 7 ans? Ouais. Ou elle a accouché? Non, j'ai accouché de ma sœur. Ah. Par le zob. Mais ouais. Ah, c'est toi? Ouais. Elle est sortie de ton urètre? Ouais. Et c'était ta sœur? Ouais. Elle que a tu fait... as eu... Avec qui tu as eu cette sœur? 1m80, elle est née quand même. Oh putain, elle est... j'aurais mis, grande bite en fait, non. Il y avait juste ma petite sœur qui était... Ah, mais c'est ce qui était la mère de cette petite sœur? Elle s'est enfantée toute seule. Et c'est marrant que tu sais, ça me rappelle la naissance de mon père. Quand j'y étais, c'était fou. Il était là, oh papa, papa, miaou, miaou, miaou. Hop, comme ça. Un père, c'est plus vieux qu'un fils, donc pas sûr. Mes petits chatons. Là tout de suite, direct. Ça a commencé depuis une dizaine de minutes. Mais non, c'est pas vrai. En fait, quand t'es arrivé, ça avait commencé déjà. Non, putain. Il y a du montage après, on est d'accord? Ouais. Ah, venez, c'est celle-là qu'on monte pas. Non, ouais, non. Vous voulez diffuser en direct sur le grand écran du GP Explorer? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien, à minima un peu bien. Et si vous allez mal, il n'y a pas de souci. Si vous allez bien, il faut continuer. Trop marrant, toi. Non, en plus, t'es vraiment marrant, je sais pas ce qui m'a pris. Là, bon, si vous rappelle-toi, je suis toujours... un énorme molar. Oh, mais on dirait du foutre de lama. Ouais, 100%. Non, je l'ai avalé. Ah, mais... Mais il peut revenir à tout moment. Tu n'hésites pas. J'ai pas tes lunettes. Ben quoi, mes lunettes, je les mets, parfois je les mets pas, parfois je les mets. En fait, c'est pour éviter les reflets. Oh là, oh là. J'avais complètement oublié, mais. Ouais. C'est pour les reflets, mais en même temps, il y aura. Oh là, mais. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Pendant qu'il se manque un câlin, peut-être que vous avez vu cette vidéo sur Instagram ou sur TikTok. Nutella. Moutarde. Oh là là, regardez. Ce vertical vous a plu, et moi aussi d'ailleurs je disais à Elion et David qui s'occupent des verticaux, je leur dis mais il faut le faire ce truc sur YouTube parce que c'est juste on prend un kiff pas possible. Et si on doit le faire vu que c'est Mix & Twist, on doit le faire avec le mec qu'on adore déjà, mais j'y reviendrai. Jonathan Cohen. Joko. Bah tu peux y aller. Merci d'avoir chauffé la place. Merci Jérém. Et puis allez, ciao les gars. Pour Joko ça. Je prends ça juste au passage. Joko. Il a pris quoi? Un cadre. Allez, pas de chaise pour toi, tu te mets sur les chaises. Il est bon de fabriquer un concept. Voilà. Moi, je pense que les chaises, c'est un petit peu has-been. Bien, on la laisse là. Ouais. Oh, fit l'échelle, il y aura dans le nom fit l'échelle. Attends, moi, mon but, c'est d'arriver en élan et que d'arriver pile au pile au bon truc. Attention, il y a des verres de vin, mais j'ai à envie de... À tout moment, il y a un accident. Quant à moi, est-ce que... Attends, il est déjà sur un truc. D'accord. Vas-y, on y va. Ok. Et oh, moi... c'est bon. Mec, c'est fou ce qu'il vient de faire. C'est vrai que c'est bien. Est-ce que moi, je peux grimper sur l'échelle? On joue à jeu. Je peux grimper sur cette échelle. Regardez bien, ça va vous étonner. Il n'y a rien qui compte et je grimpe. Oui. Oh là, je vais en faire trois. Et tout ça avec une jambe de bois. Ah oui. Allez, on y va. Oh, oh. Ok, je pense que il faut au contraire pas aller vite du tout. Non, David est allé loin. Oh. Oh là là, tu veux là. T'as vu quand c'est revenu? Attends, tiens, tiens-moi ça. Attends, je fais la technique de David. Cours, 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 saute, direction. Mais David, t'es incroyable! On dirait vraiment un carton! Bravo! On se dit qu'on arrête? On se dit ça! Allez! C'est très addictif! Ce jeu est très Allez, je bats le record. Allez, c'est parti! Il arrive en skate. Rien ne l'arrêtera. Vous avez dit oh non au truc de plus soft? Oh non, tout sauf un skate! Mais on se concentre. Mais mec, c'était sûr et certain qu'à un moment donné, ça allait partir en cacahuète. Qui alors dit Mix & Twist dit évidemment Jérémy Nadeau avec qui on a créé le concept Image. Mix & Twist, l'émission qui mélange vos aliments. Des aliments individuellement bons mais ensemble qui ne vont pas. Le curry. Du curry. Ce format s'appelle le jeu des pères Mix & Twist. Comme vous l'avez vu, on a ici des cartes avec dessus des ingrédients. Je rêve que ce soit des curés qui arrivent. Curés? Ouais, des pères Mix & Twist. Ah, nous sommes les pères Mix & Twist. David, je peux dire quelque chose avant? J'en prie. Je voulais souligner un truc que j'apprécie chez toi. Ta loyauté, sans égale. En vrai, tu sais, on se voit pas tout le temps. Oui. Alors, à chaque fois, il y a une vraie énergie à nous trois. J'en suis très heureux. Mais t'es là, t'es au taquet. Tu viendrais, on refait un Mix & Twist. Oui. Alors que t'es en tournée. Alors que j'ai besoin de buzz. C'est le moment de faire du buzz sur Jérémy Nadeau. N'hésitez pas à faire du buzz. Il est en tournée actuellement. En ce moment, il a un spectacle. T'as arrêté tout, on s'en était parlé la dernière fois, pour te lancer dans le One Man Show et je suis très fier de toi. Et même si j'ai rien à voir dans ta carrière. Évidemment, c'était une blague et moi je suis très content juste
de vous voir. Là, au moment où on se parle, on est quoi? Fin janvier 2024. Ouais, ouais. Tu es en tournée actuellement? Ouais, je suis en tournée là jusqu'à fin mars. Et ensuite, je m'en vais en tournage en avril au Maroc. Parce qu'il y a deux choses. Oui. Déjà, sur scène, je crois que tu es vraiment de plus en plus fort. Et que ça commence à être génial. J'ai l'impression que les extraits que je vois, ça commence à être très fort. Voilà, on est d'accord? Non, mais c'est vrai parce qu'on le connaît depuis à l'époque. Il est en train de. Tu vois ce que je veux dire? En train de s'éperdre. Totalement. Et t'as vu les Prime vidéos qu'il fait ou Netflix? J'ai fait Prime et Netflix, ça sort en mars, la 1er mars. Ah oui, ah non, mais c'est dingue. Tiens. Putain, mais t'es beau, tu vas à la salle régulièrement? Ouais, une fois par jour. Ah oui, c'est régulièrement, ça, une fois par jour. Je voulais faire une blague, je voulais dire une fois par semaine, et en fait, j'ai été archi honnête. Tu peux pas, j'ai pas réussi. Quand on va à la salle, je me souviens de cette époque, tu peux pas. J'ai pas réussi à mentir. Quand tu rôtes la prochaine fois, tu rôtes dans ma bouche, très important. Ça peut m'agacer si tu fais autre chose. Donc les dates de la tournée, les films, c'est la partie un peu interview, tu l'auras deviné. Et la question est terrible. L'odeur du rose, c'est maintenant. Ouais, je crois que c'est pas grave. La phrase que je vais dire est peut-être la plus agaçante de notre carrière, d'accord? J'ai l'impression que ça se passe bien pour toi. Ta mère. Il t'a donné de me dire, mais comment t'as commencé YouTube? Et quand t'étais petit déjà, ça se passe bien, laissez-moi parler, je suis l'invité, ça se passe bien. Je suis vraiment content. Ça se... non, en vrai, je suis hyper épanoui. Mais ça se voit. Je suis hyper épanoui, je m'amuse beaucoup dans ce que je fais et je suis très content. Deux choses, le tournant qui est en train de prendre ma carrière et de vous retrouver pour encore une vidéo. Mais attends, parce que... On rigole déjà bien. Tu parles de tournant d'une carrière, c'est ça qui est vraiment bien, c'est que t'avais, et t'as toujours, mais bon, une carrière sur YouTube et t'as décidé de changer, ce qui est audacieux, pour te concentrer sur un truc que t'aimais encore plus. Ouais. Et que tu... ça fait des années que je savais pas que j'aimais encore plus. En fait, on en parle depuis hyper longtemps. Depuis même, je me souviens, même à l'époque du jeu en voiture, tu parlais déjà de ça. C'est trop bien, ouais, que t'es suivi ton rêve et tout. De recommencer un peu à zéro et de repartir après, gravir les échelons et d'apprendre des choses et de... C'est agréable, c'est dur, mais c'est satisfaisant. Bah, c'est trop bien. Et c'est mérité, bravo. Merci beaucoup, c'est gentil, on peut serrer la main une fois. Non. Ah, dommage, il y avait tellement de complicité. Et puis... Donc on te souhaite une très bonne continuation là-dedans. On dirait que je parlais à un enfant. Salut. Ouais, je veux partir. Et très bien. Lâche rien, champion. Lâche rien. La scène est transpire déjà. Parce que c'est terrible. J'ai chaud. Parce que c'est un truc. Voilà. Aujourd'hui, donc, on va retourner des cartes. C'est un jeu de paires. Si vous trouvez le même aliment sur la carte, vous gagnez un point et vous n'avez pas besoin de manger. Par contre, il faudra tourner deux aliments différents. C'est là où le mix and twist entre en jeu. Vous allez manger ces deux aliments mélangés. Mais est-ce que du coup, quand on retourne deux cartes, par exemple, huître et camembert, est-ce que après on remet les cartes ou on les enlève? Non, non, tu les remets. Et ouais, donc on peut potentiellement énormément manger. On peut manger des choses terribles, ouais. À toi quand même de faire travailler ta mémorisation, bien sûr. Ma mémoire. Mémorisation plutôt, c'est le processus mémoire, de... Mémoire, mais j'aurais dit, mais... Non, vraiment, il y a un substantif qui est plus à même, c'est vraiment la mémorisation. Souvenir. Les souvenirs, tu feras marcher les souvenirs. Okay. Bon, ok, j'ai compris, c'est la mémoire. Est-ce qu'il y a des aliments ici que tu ne supportes pas? Moi, dans la vie, j'aime pas les huîtres et naps. Ah, mais alors, il y a quand même une assiette remplie de naps, regarde. Je te laisse mettre une oreille. Merde, voilà qui fonce. La Maxence, surtout, tu te rappelles de la Maxence après la mémoire, on dit d'ailleurs. Les huîtres. Ça, ce qui est très dommage, c'est qu'effectivement, il a fait la kiffance, et après, il a fait la Maxence. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? L'optimalance? Alors, sur scène, c'est le petit malaise de l'optimalance. Ouais. Le petit malus quand tu prends par rapport à la voiture, la voiture ou quand tu... Quand t'as un, comment on appelle ça, un litige, non? Une litière. Une litière. Une litière. et que c'est de ta faute. Donc, en gros, soit on mange, soit on gagne. Si on gagne, c'est parce qu'on aura fait travailler son processus de mémorisation. Et on commence ou pas encore? Ah, moi je dis qu'on commence directement. Eh bien venez, on commence pas et on se demande comment ça va pas. Bah franchement, ça va pas. Et toi? Ça va papa. Ça fait plaisir de te voir. Oh Mimi. Tu sens bois d'argent? Oui, tout à fait. Tu mets bois d'argent? Tout le temps. Et moi, je mets quoi? Il a la réaction. En tout cas, tu pues pas, et ça, c'est hyper agréable. Eh ouais, c'est vrai. Ouais. Mais je pue pas, moi. Je pue rarement, j'ai remarqué. C'est vrai. L'odeur, c'est pas un problème. Le visage... Non. Trop beau, son visage. Ah, il aime pas ma coupe de cheveux, il veut pas. Ah, t'aimes pas les cheveux? Ah, me lancez pas sur ce sujet. Mais oui, parce que, en fait, tu veux savoir? Parce que tu n'es pas Tom Cruise dans ta dernière samouraï. C'est parce que tu as pas vu tous les plans, mais il y a un plan caché, donc, où c'est moi, tu verras. Allez, c'est parti, vous voulez que je commence? Allez, je commence. Non, mais on commence, mais je te raconte, je me laisse pousser les cheveux, c'est aussi grâce à toi. Parce que quand t'avais les cheveux longs, j'étais là, putain, c'est trop beau, ce corps magnifique qu'on a envie d'attraper, qu'on a envie de lécher comme ça. Les cheveux, je vais me les laisser pousser du coup. Tu vois, ça doit être ça. J'ai pas réussi à tenir sur ça là. Qui valide les cheveux de McFly? Non, en vrai, moi je valide les cheveux de McFly. Mais il aime pas la demi-queue, il veut. Non, t'aimes pas la demi-queue. Non, non, non. Mais pourtant, c'est ce qui nous ressemble. Ah oui, ça. Alors toi, c'est une bonne queue de métis. Il a rien qui... Ça m'a motivé. Vas-y. Il n'y arrive pas. Vas-y, mon gars. Gagne. De temps en temps, on y reviendra. Ouais. J'étais vraiment plus haut que tout le monde, on est d'accord, là? Non, calme-toi. Ah, ok. C'est ma mémoire qui me fait défaut, je pense. Alors... Allez, commence. Effectivement, c'est l'invité qui... Là, rappelle-toi. J'ai craché derrière. Tu dois cracher là. Je peux pas. Et roter là.
C'est du gaz hilarant. Il l'a mâché. Attendez, on commence à jouer. Bon jeu, mon ami. Par contre, si quelqu'un pète, c'est dans mon œil. On est sur de la moutarde avec un oignon. Ça va. Franchement, c'est plutôt gentil. Généreux sur la moutarde, hein. Ouais, vas-y. On est d'accord. On y va simplement. Je suis sûr que c'est délicieux, par contre. C'est vraiment le principe de la vinaigrette. Il est easy, celui-là. Ça va. Ça va. J'y vais, là, c'est moi qui vais. Café. Et bizarrement, regardez bien. Non, bah non. Ça aurait été un génie. Aïe, café. Oh, aïe, café. Aïe. Ah, sa mère, je déteste l'ail. Non. Alors, ah, mais non, ou alors incroyable. C'est pas bon. Non. Évidemment que c'est pas bon. Je pense que c'est... Ouh. C'est surprenamment pas bon. Non, mais on est là, on est ensemble. Oh putain, mais ça, si on doit faire ça 15 fois ou 30, c'est quoi? Mais c'est pour ça qu'il faut travailler. La mémoire. La mémoire permet une... Une bonne mémorisation. Oui, oh, oh. Bah... Très gentiment, il a accédé au truc. Oh, l'odeur. Oh, il a... C'est vrai? Waouh. Ah, regarde. Oh, merde. Oh, je suis une vieille gousse, là. Oh, allez, c'est que de l'ego, c'est que de l'ego. Si t'arrives pas, t'es une merde. Juste, je tiens à dire quelque chose. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Pas pour tout le monde. Aurel, en fait, quand même, c'est avec lui, au départ... Saumon fumé, mais regardez le génie, saumon fumé, saumon... Oh putain! Saumon fumé moutarde? Ah ouais, par mais contre... non, rappelez-vous. Ouais, 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 putain, ouais, y en a ouais, un ouais. Premier, là. Bon bah, saumon fumé moutarde, hein, let's go. Mais toi, ça va, en vrai, t'es bien, là. T'es bien dans ta life, toi. Coquine. Eh oh, dis donc, steak... Alors, hey, ouais. Steak haché frites, mince. Tu sais, le truc. Délicieux. Délicieux, ok. On retourne ça. À toi de jouer, à toi de jouer. Putain, il a sorti la moutarde. Est-ce que je rejoue? Oui, mais par contre, c'est bien que t'aies sorti la moutarde parce que c'est vraiment infâme avec des sortes. Vinaigre et vin. Vinaigre et vin, c'est bon. Alors, je préfère préciser que je ne bois pas d'alcool, mais que je jouerai le jeu pour. Ah bah non, c'est pas non, bien. Il faut pas que si, non, frère, c'est pas. Il devient un chameau de plus en plus. Alors? Bon, dans tous les cas, c'est dégueulasse. Vinaigre, attends, ouais, vinaigre. Ah ouais, c'est ça, il est en train de brouiller les pistes. Regarde ce qui se passe. C'est assez magique ce qui va se dérouler là. Tu veux savoir où il est, l'Oreo? Il est là et je l'entends. Ah oh, putain, mais pourquoi t'es de là? Il est full high. Tu le manges comme un Big Mac? Oh là, s'il te plaît. Un Big Mac. Ça ne change absolument rien. Mais l'état c'est... de ton intestin. L'Oreo, ça fait du bien. Et l'ail, ça fait beaucoup moins bien. Donc, tu sais que l'ail, c'est hyper bon pour la santé. Hein. Ah oui, j'adore, mais j'en mange tout le temps, moi. Bah ça ouais. Sent. Ah, il en mange beaucoup, beaucoup. Quand il t'invite chez lui avec sa femme, c'est beaucoup vrai. D'ail. Ouais. Beaucoup, beaucoup d'ail, là. Tu veux me dire un truc? Ah, non, pas du tout. Mais il y a un truc que t'as envie de. L'odeur, elle est terrifiante. L'ail partout. C'est trop, tu veux que j'en mette moins? Il n'y a pas de souci, je te dirai, je suis franc. Bah, dis-moi si tu veux que j'en mette moins. Il y a trop d'ail. Ah, c'est vrai? Non. Je te le dirai, il n'y a pas de souci. Martin, il y a trop d'ail? Moi, j'aime ça, donc c'est pas. Mais moi, tu conçois qu'il y a trop d'ail? Sarah, elle m'a dit hier que je puais la mort. Mais... C'est vrai que je les ai invités à manger le midi. J'ai fait. Premier truc que j'ai fait, c'est de l'ail écrasé. Quand ça, tu les as invités? C'est pas possible que ça t'intéresse. C'est pas possible que ça t'intéresse. Mais moi, je t'ai dispo hier midi. Tout de suite, une photo du plat que David et Tiff nous ont proposé à Tamar et moi. Camembert, déjà regardez, c'est regardez, un petit coup de main, vous voulez voir un petit coup de main? Ah là, si tu sors le camembert, je deviens fou camembert café. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pas fait aïe aïe? Voilà, c'est le mec le plus débile que j'ai vu de ma vie. J'ai que des bonnes choses, moi. Camembert café, on peut pas dire que ce soit délicieux non plus. Mais rappelez-vous, moi je ne crains pas. Non mais après, les questions c'est pas de craindre, c'est est-ce que le goût objectivement est un peu bon ou pas du tout? Bah non. Ouais, hein. Bah non. C'est délicieux. Moi, si tu peux me permettre, je vais prendre ça et celui-là. Oh, il est imbattable. Ah oui. Il a l'Oreo. Oh, désolé. Oh, le régal. Oh, le goûter. Attention, au niveau sucre, au niveau des glucides, ça fait beaucoup d'un coup, là. Ah oui, regarde quel enfant. J'ai eu de l'ail dans l'Oreo. Est-ce que vous vous souvenez dans quel quatrième vous étiez? Je commence quatrième 4. Et c'était la quatrième sport. Et on a gagné le trophée aventure, pour info. Mais non. Quatrième B. Ah ouais? Non, j'y arrive pas à me souvenir de ça. Ah, là, on est les seuls à se souvenir de quelque chose. Mais je vais faire exprès de retourner ça à chaque fois, moi. Ça fait le. T'es drôle. Hein. Oui. T'es beau. Mais surtout gourmand. Deux défauts, donne-moi. Parfois un peu égoïste. Ouais. Et c'est parfois si un honnête. Peu intransigeant. Mais ça se voit. Pas de. Réglisse. Oh, ça va être merdique encore. Non, pas Régis. Regarde ce qui se passe ici, ça va là-bas. Oh, oh. Allez, l'échelle. C'est parti pour l'échelle. On y va. Pas avoir de points. Faut y aller vite, les yeux fermés, c'est le secret. Il a failli faire 5, le record est 4, vous 2. Ouais. Ah bah si vous insistez. Ouais. Camembert, et regarde bien, camembert. Ça va vite, ça bravo, va bravo David là. On se sent comment? Oui. Dans le camp des losers? Oh bah il faut demander aux losers. Fais ça toi, t'as rien à faire ça?
Allez, vas-y, enchaîne. Allez, enchaîne, là. On la bat. Oh. Piment. Il riait bien. Espelette, ah, merde. Piment, ketchup, ça va, je m'en sors bien. Ah, oh, ça, c'est piquant, ça. C'est les piments oiseaux. Ouais. Bli, bli, bli. On a fait une vidéo où on a dégusté les piments les plus forts du monde. J'ai failli crever. Ah, moi, je peux pas faire ça. Je l'ai respiré, le piment, comme un con. Mais non, les roses. C'est quoi? Les roses, c'est dans ma bouche, tous. C'est des piments oiseaux. Mais non. Si, si, oiseaux, ah bon, c'est fort quand même. C'est des piments qui font. Vous êtes des animaux. Oh, joli. Jérém, retourne-toi. Ah, tu t'es fait avoir, sale. Ouais. Ah, vrai bon piment. Il est bon, mais il est fort. Faut que j'arrête de respirer. Vous les kiffez? Ah, et j'ai pas su où il était. Mais non, c'était vin et vinaigre. Oh, le piment, il est fort quand même, ça a l'air merde. Non, Raphaël. Oh, tu t'es fait engueuler par Blanche. Croque, on va entendre. Mais laisse-en pour les autres. Je suis nul et con. Non, t'es super comme garçon. T'es super comme garçon. Oh, mais j'ai dégueu. Ah, merci. Oh, c'est mignon. C'est bon. Oh, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur saucisse la saucisse de Francfort. Oh. Oh. Ah. Ça va. C'est ça? C'est ça, ça va, ouais. Tu peux me l'ouvrir et me mettre au milieu? Bien sûr, évidemment, qu'est-ce que tu crois? Titre? Oui. Comme le cul, là. Ah, la laine, la laine, la laine. Regarde si celle-là, elle est pas belle. Il est magnifique. Ah. Il se place au fond de la gorge. La stratégie, tu manges d'abord la saucisse, comme ça j'ai l'impression de manger, et après je prends l'Oreo comme un petit dessert. Et n'hésitez pas à faire ce jeu chez vous. Le temps de prépa du jeu est énorme. Oh non, remarque, très bon jeu. Il faut vendre ça. Et toi, tu penses genre moins que nous en pourcentage. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être une super idée. Tu prends un pourcentage, alors tu fabriques pas le jeu. Je prends 40%. Voilà. C'est... un solide 45. 5? Je donne à 7. T'es quoi? 40. 40. Et attention, on est prêt. Boum. Oh. Ah, oignons sont mieux fumés, ça c'est bonheur ça. Bah oui, c'est absolument parfait. Hein. Il a mangé ça comme s'il avait jamais mangé de sa vie, putain. Me dégoûte. Et en même temps, un tout petit peu excitant. Comment est-ce possible de mélanger autant de sentiments dans une seule personne? Je pense pas que... Tu vois? Ah bon? Mais oui. Non mais... Quand je montre jusqu'où tu vas aller, c'est pour ça. Comment tu vas te sortir de ça? J'ai quelque chose dans les dents? Non. Tu veux que je te l'enlève avec la bouche? Bah j'ai rien, tu m'as dit. Si, si, je me rappelle, t'avais un petit truc. Okay. Allez, à toi, mon grand Carlitingue. Le Carly est dans la place et il sort un petit jus de pamplemousse. Étonnez-vous de ce qui va se passer, mais il sort un petit jus de pamplemousse. Oh, on est à deux doigts de découvrir un truc. Les deux seules intoxications alimentaires que j'ai fait, c'est le jus de pamplemousse et huître. À mon avis, l'acidité va très bien aller avec. Mais j'aime pas et j'ai peur. Mais rappelez-vous, moi, je ne crains pas. Mais dans ma bouche, on a dit... J'ai oublié, je me rappelle. Mais un peu de jus de pamplemousse dedans, regarde. Du jus de pamplemousse dedans, voilà. Je maîtrise totalement le versage. Hop là. Ah, c'est énorme. Mais ils ont un peu plus. Non, regarde, c'est là, moi j'ai un peu envie qu'ils kiffent. Croque là. Ah, il marche. Il a que des trucs imparfaits. Ça va, ça passe en vrai. Est-ce que vous voulez déguster une masterclass? C'est ça que je vous demande. Oui. Parce que là, si on a l'oignon... Ouais, mais non. C'est pas ce que je voulais. L'oignon... Et l'huître. Oh, il voulait pas ça, tu détestes les huîtres. J'en ai pas mangé depuis que j'ai 4 ans des huîtres. 4 ans, putain, il se fait pas chier d'avoir 4 ans de manger des huîtres. Faire. J'ai oublié tout. T'as un souvenir de carte là? Rien. Je n'ai rien. Pur hasard, putain de ça. Sachez que vraiment, il a dit qu'il détestait. Hein. Mais je déteste moi aussi. Mais t'as rien coupé. C'est bien, mais mec, tu te donnes pour le concept. Je donne toujours là. Oh merde, non. Il va se transformer soit en oignon, soit en huître. On peut, on peut faire huîtreman peut-être. T'as du gras là. J'ai l'impression d'avoir mangé la Méditerranée. Ah oui, ah mais c'est l'iode. J'ai plus aucun souvenir de toutes les cartes. Je me souviens de c'est quoi? Non. Juste de la dernière. Ouais. Alors. C'est un enfer. Je refais juste pamplemousse, je suis ouais. Con. Ah, il est là, regardez bien. Tout pue. Ah, juste pamplemousse, ketchup, mais merde, la merde. Elyon McFly, il est génial ce jeu, bravo. Eh bah c'est bien ça. Tu veux goûter? Non non non, ça m'intéresse pas, je veux en finir avec ce jeu du démon. C'est quoi? Saumon fumé. J'ai l'impression qu'on l'a eu 14 fois ce saumon. On retourne les mêmes cartes comme des cons. Oh, je sais où il est. La tête des gauches, je sais où il est. Trop bien. Il a rien retenu, c'est un enfer, il veut juste manger du saumon. Bah vas-y hein, j'ai rien parce que... Oh là là, attends. Personne mais vous regardez moi jouer. C'est vrai, regardez. Putain, vinaigre et c'est délicieux. Là ou là. Mais là, je viens de manger du saumon avec du ketchup. Ah, quoi. C'est celui-là. Putain. Tu l'as déjà sorti. Vinaigre vin, alors tu vois pas alors l'alcool. Alors qu'il était
ici. Alors tu bois pas d'alcool, désolé, alors, hein, c'est pas bien ce qu'on fait. Hein. Tu boirais super bien de l'alcool, mec. Fais gaffe, faut qu'on mémorise. Ah oui, mais on mémorise rien du tout. Allez, c'est parti. Allez, allez, alors, on y va. Allez, jusqu'à l'impossible. Ah, je l'ai. Oui, oh là. Je sors l'oignon. Quel flex. Attends, c'est pas fini. Là, et donc, l'autre, il est... Oh, frère, j'en peux plus de ce saumon fumé. Je sais où il est. Arrête de dire ça, putain. Je sais où il est. C'est comme les gars au blind test qui disent « Oui, bien sûr, Indochine !» Mais qu'il est con, cet enfant, c'est trop grave. Saumon, vinaigre, vinaigre. Oh là 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 là. Oh là là, le viking, frère, il vient. Alors, il est comment? Ça, ça tue sa mère. Il fait quel temps, Moyen-Âge? Allez, vas-y. Saumon fumé avec saumon. Pas du tout, frère, mais il est débile. Mais c'est le mec le plus con que j'ai vu de toute ma vie. Saumon ketchup. Il va pas y avoir assez de saumon. On est en pénurie de saumon parce qu'on est trop con. Allez. Putain. Putain, fort. Il sort le vinaigre. Vinaigre, il est fort. Oh. Os. Ok. Mmh. Je suis vraiment débile. Putain, mais moi je l'ai plus, j'ai aucun souvenir. Je le veux, je l'ai, j'aurai mon premier point. Enfin, mon premier point, putain. Ah, t'as pas encore de points? Comment? Ah. Il est berlot. Non. Je te jure que non. Mais t'es trop gentil. Putain! Merde, sa grand-mère! Nocio la tête ketchup. Tiens, tu peux m'envoyer le nocio, s'il te plaît? Attends, parce que j'essaie de me rappeler. Non, arrête, je l'ai. Ça, c'est vraiment pas bon. Écoute-moi bien, quelle c'est surprise. Immonde. Quelle surprise. J'ai pas compris la blague. C'est pas une blague. Qu'est-ce qu'il y a dit? Quelle surprise que ça soit pas bon. Ah, pardon, je suis fou, je suis con. Ce moment-là. Oh, venez, on le garde bien ce moment. Oh, l'incompréhension. Allez, premier point du Carlos, allez. Les amis, regardez. On a où eh oui. Et on le sait. c'est déjà ce qu'il a tiré. Mais putain, mais mec, combien de fois? On dirait un chat. Regarde le petit chaton. Il est grave kawaii. Miaou. Oh, le chat. Pas si mal, ça franchement ça va, tu t'en sors bien. Ça va, c'est un petit goûter en fait, tu peux le rendre bon. Est-ce que vous aussi vous êtes rassuré par les chiffons? Non. Personne ici là. Personne. Ça va me faire un petit coup d'échelle, ça va te faire du bien. Mais je peux comprendre ce que tu veux dire, le chiffon ça attrapait un peu la maison, la famille, la grand-mère, maman, voilà. Le chiffon c'est un peu maman, c'est mamie aussi. C'est mamie et maman. Et papy parce qu'il aimait bien s'entourer un chiffon. Hein? Allez on y va. T'as pas réussi à mettre le pied. Oui mais j'ai une technique. Ouais, t'as la technique. C'est pas mal, j'ai senti qu'il se passait un truc. Ah non, regarde. Voilà. Ah mec, c'est énorme, 2, 3, allez 4, pas sûr qu'il arrive à 5. Pas faire plus que 4. J'ai quand même peur. Oh, il a sorti les oreos, bravo. Allez, on commence. Regardez bien mon nombre de points. Ouais. Putain, il sort le pauvre mousse. Putain, je suis irritable. Ketchup, tu l'as normalement. Oh, ketchup saucisse, c'est... Oh, le bonheur. Ah, merde, putain. Putain, ça c'est chaud. Pizza au chorizo, là, deg. Oh là là, l'enfer. Attention. Oh ouais. Ah, ouais. Infernal, bon là, t'en reprends, mais par hasard, quoi. C'est pour le concert, il se donne. Vous avez vu comment il se donne pour les vidéos? Fort, fort, le gars, fort. Eh, tout le monde, je peux me rattraper sur la fin, vous savez bien. Oui, tout à fait. Oh. Oui. Ça sent la sauce. Prends ça, là. Je le sens pas, hein. Je t'écoute. Ouais, vas-y, c'était le piment. Mais pourquoi il y a de la saucisse de Francfort? Il y a de plus en plus de trucs dégueulasses là-dedans. C'est géré. N'importe quoi. C'est quoi comme vin? C'est un bon petit vin. C'est un nocioli. Nocioli, c'est un vin italien. Regarde le Rayman là. Je suis en train de te préparer un coup de maître pour ça, la fin. Ça, allez-y, rigolez. Oui, c'est... Rigolez. Rigolez tant que vous pouvez rigoler. C'est énorme ce qui se passe. Le coup de maître. Attends, faut que tes gros doigts n'attrapent pas l'ail. Il calculait. Il était en train de compter. Je me suis retourné. Il était... Il bavait un peu. Il était... Je vais prendre celui ça. J'ai mémorisé toutes les cartes. Oh merde. Et merde. Il a rompé. Oh la vache. Je suis con aujourd'hui, c'est fou. Ah, t'es pas la chips la plus croquante du paquet là, je peux te dire. Hein.
qui saigne de la bouche. Ah, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Ok. Allez, à toi. Tu l'as, là? Sors-nous là, et putain, qu'on n'en parle plus, je t'en supplie. Non, putain, huître, là, attention, si tu trouves. Allez, 8, sors-nous 8. Oh, oh putain, ah, quel monstre. Trop cool, mon pote. Attention. Saumon fumé, tu l'as, c'est là. Ah, il sort saumon fumé. Hey, les gars. Ça tue. Ah putain, allez. Oh putain, mais là c'est un monstre. Oh, il sort. Il est en train de tout finir, Oh putain, non, mais c'est fou ce qui est en train de se passer. Bah là, tu... La vidéo se termine comme ça. Salut. Non, je t'en... Si, j'adore. Waouh. Oh là là, ce run de fin. Eh hey, les gars, on n'a pas trop géré. Sérieux. Le moment où il a dit, je peux tout remonter sur la fin. Eh, hey, tout le monde, je peux me rattraper sur la fin, vous savez bien. Quelle run parfaite. C'est fou d'avoir été aussi fort. Ça, c'est plus facile à mémoriser que tout le texte que je joue à la Cigale les 22-23 février. Oh putain. Putain, on est en vacances, on pourra pas venir te voir, mince. Mais non, rare. Tout le monde joue mal d'un coup. Par contre, vous pouvez venir me voir à la Scala à partir du 17 janvier 2025, les gars. Voilà, tout le monde peut venir d'ailleurs. Hein. Je vous attends là-bas. Bisous. Donne-moi une petite saucisse pour le réconfort. J'avais rien. Saucisse piment? Oui. Oh là là. La vieille fierté de merde. Allez, je te renvoie une saucisse. Je te la mets direct dans la bouche. Oh putain. Je l'ai vu. Bah frère, on est solidaire, on va pas... Il est très bon, le piment. Le piment camembert, ça, c'est vraiment bien. Mais... Oh sa mère. Bon, toi, de toute façon, le but, c'est pas forcément de gagner, c'est surtout de passer un bon moment. C'est surtout passer un bon moment. On tente de battre le record quand même. Ouais. Ah, c'est celle de trop, je pense que je vais me blesser. Ah ouais. Surtout que t'as plusieurs scènes et t'as un tournage de film. J'ai un tournage de série, j'ai une série qui sort sur Netflix début mars. Moi, je peux pas me permettre d'être blessé, quoi. On est très très content pour toi, on te l'a dit au début. Oh. En plus, dans cette vidéo, t'as été incroyable. Dis le mot moutarde. Dis le mot moutarde. Ça m'a vraiment impressionné, premier degré. Bien joué, David. Attends. Super. Ça va aller. On commence pas ça. Non, mais il va au même endroit. Blanche. Faut que j'arrête de respirer les piments, putain. Je voulais qu'on remercie Lyon. Qui a créé ce concept qui est là. Juste Aurel, notre ami Aurel, qui est aussi... Mais c'est dans ma bouche qu'il fallait faire. Bah, mes frères, j'ai roté, t'as pas ouvert la bouche. Qu'est-ce on terminera cette vidéo par un rot dans ma bouche, tu le sais. Vas-y. Sachez qu'Oren, il veut faire un resto Mix and Twist. Et moi, je pense que ça marcherait. Est-ce que vous iriez dans un resto où tu te dis ce soir, ça va être délicieux, mais c'est des associations que j'aurais jamais imaginées, qui sont presque imposées. Mais elles sont bonnes, ça marche. Mais parce qu'en fait, t'as une vraie expérience culinaire. Ça, c'est con parce qu'on t'écoutait là. Ah, je suis désolé, mais moi, c'est dur ce qui se passe dedans. Est-ce que ça vous dirait ou pas, sincèrement? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Et c'est pas aussi dégueu et basique que ça, c'est un peu élaboré, un peu stylé. C'est plutôt comme on a fait avec Etchebest et Pierre Saint, c'est-à-dire c'est des vrais mélanges où tu dis putain, mais c'est mortel quoi. Comme d'habitude, commentez la vidéo pour ce qu'elle est. Vous connaissez le mode opératoire quand même. Est-ce que Jérémy, ça vous a fait du bien? Est-ce que le contenu de la vidéo vous a plu? Et puis répondez à cette petite question. Est-ce que pendant une semaine, on ouvre ça, on teste? Bon, on va voir, 10 jours. Toutes les dates de Jérémy s'affichent maintenant. Oh, ouais. Et mes dates. À manger. Oui, ces petites dates. J'ai une marque de date, on pourra faire d'ailleurs une photo de packaging. Ouais. On met un petit paquet. Une marque de date. Jérémy la date. Ça fonctionne pour moi.